J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler cheveux et pour faire le bilan de mes 8 ans après être passée au naturel. Et oui, ça fait 8 ans que je suis passée au naturel. Je suis passée au naturel en mars 2014. Et depuis, ça me passionne. Et je suis passée d'ailleurs au naturel non seulement pour les cheveux, mais aussi pour l'ensemble du corps, du visage, des produits d'entretien, du mode de vie, etc. Car c'est un domaine absolument fascinant. Et quand on met un pied dedans, on ne peut pas s'empêcher d'aller plus loin. On se retrouve aujourd'hui avec des cheveux, bon, pour un bilan des 8 ans, j'aurais pu faire mieux. Des cheveux un chouille poisseux. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la main trop lourde sur les produits coiffants. Mes cheveux sont propres, comme peuvent en témoigner les racines. Mais les longueurs, j'ai un petit peu abusé des produits coiffants. Donc c'est un chouille poisseux, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Tous les ans, je vous retrouve pour cette vidéo au mois de mars, c'est la vidéo anniversaire, la vidéo bilan. Voilà, c'est une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de tout ce que j'ai fait à mes cheveux, grosso modo, durant les 12 derniers mois, durant la dernière année écoulée. Je vais vous dire mes tops, mes flops, où en sont mes cheveux, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'ai essayé, que j'ai aimé, que j'ai pas aimé, qu'est-ce qui m'a marqué dans cette année et quels sont mes objectifs capillaires pour l'année suivante. Je ne vais pas revenir sur les 8 dernières années en entier parce que ce serait beaucoup trop long. Par contre, vous avez juste avant des photos de mon évolution capillaire depuis le début. Il faut savoir que je suis passée au naturel donc en mars 2014. Après avoir fait des permanentes, j'en ai fait 2 je crois à 6 mois d'intervalle, puis pendant 1 an je n'ai plus rien fait, mes cheveux étaient dans l'état où ils étaient en mars 2014, et là je m'étais dit mais je veux des cheveux longs et en bonne santé, donc j'ai commencé à me renseigner sur comment faire pousser les cheveux plus vite, puis de fil en aiguille sur les soins cheveux, puis de fil en aiguille d'année en année j'ai appris à prendre soin de ma nature de cheveux qui est ondulée, bouclée. Avant, j'ai toujours eu plutôt une touffe, puisque j'ai été élevée à démêler mes cheveux matin et soir, à sec. En plus, moi, je faisais jamais de soins, ça ne m'intéressait pas, etc. Donc forcément, voilà. C'est pas terrible, hein. Voilà. Donc, j'ai tout appris et je continue encore d'apprendre. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je partage énormément de tips, de petites recettes de masques. Je fais des FAQ pour répondre à toutes vos interrogations, que ce soit sur les cheveux ou sur tout autre sujet. Je publie des posts informatifs que vous pouvez enregistrer pour y revenir plus tard. Je publie des reels avec des recettes ou des astuces cheveux. Venez me rejoindre sur Insta, il y a plein d'autres contenus en plus de la chaîne YouTube. On est parti tout de suite sur la vidéo pour pas qu'elle dure 1000 ans. J'ai pris mon petit cahier, comme d'habitude, j'ai tout noté pour me rappeler ce que je dois vous dire. Je n'ai pas ramené de produit avec moi parce que ça aurait été pénible de tout chercher partout chez moi, de tout ramener ici. Je vous mettrai donc des photos des produits dont je parle. Ça va me prendre beaucoup de temps, mais c'est plus pratique pour vous et aussi pour moi. Donc voilà, et vous aurez les liens de tous les produits dont je parle dans la barre de description comme d'habitude, ainsi que le lien de mon Instagram, de mon Pinterest, de ma newsletter, et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, et c'est parti mon kiki. Donc pour ceux qui arriveraient ici un petit peu par hasard, quelle est ma nature de cheveux ? J'ai les cheveux épais, c'est-à-dire que le diamètre de mes cheveux est épais, mais je n'en ai pas énormément, ce qui fait que j'ai pas une masse incroyable, mais j'ai les cheveux épais. On peut avoir les cheveux épais ou fins, et on peut en avoir beaucoup ou pas beaucoup. Tout le monde aimerait avoir les cheveux épais et en avoir beaucoup, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai les cheveux qui m'arrivaient, alors je ne sais plus où, il y a 1 an, mais j'ai noté qu'ils étaient à 123 cm. Le fait est que je n'ai pas mesuré cette année. Ça fait longtemps que je ne mesure plus mes cheveux parce qu'ils sont arrivés à une longueur qui me plaît. Ce que j'aimerais juste maintenant, c'est avoir une épaisseur uniforme partout, et c'est pas le cas. Tout ce que je sais niveau longueur, c'est que actuellement ils sont à mi-cuisse mouillée, mais les pointes sont affinées. Après, les pointes affinées, on en reparlera, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais mouillées, ils sont à mi-cuisse, secs, ils sont aux alentours du coccyx, sous les fesses, voilà, ces eaux-là. Et c'est une longueur qui me plaît bien.
Au niveau de la coupe, j'ai coupé mes cheveux une seule fois cette année, c'était en juin, et j'ai coupé 20 cm d'un coup, et je pense qu'il est tout à fait possible que je refasse plus ou moins la même chose cette année. Je m'étais dit, tu vas couper 2-3 cm tous les 3 mois, machin. Au final, je l'ai pas fait, mes pointes sont en bonne santé, je n'ai quasiment pas de fourche. Par contre, elles sont affinées. Je crois que je n'arriverai jamais à avoir les cheveux très longs et non affinés. C'est du moins le constat que je peux faire au fil des années. C'est que mes pointes ne sont pas du tout fourchues, donc elles ne sont pas du tout abîmées. Mais elles s'affinent par l'érosion du temps. Et comme j'ai pas énormément de cheveux, bah fatalement, ça s'affine encore plus que quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. Il y en a qui détestent les pointes affinées et qui préfèrent couper, 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 couper. Clairement, moi, si je ne voulais pas avoir de pointes affinées du tout, il faudrait que je coupe au milieu du dos, chose que je n'ai pas envie. Donc oui, j'ai les pointes affinées. Et alors, c'est pas grave, c'est pas parce que on a appris que des pointes affinées c'était moche que pour autant j'ai les cheveux moches. On m'a déjà dit une fois en commentaire, oh là là, tes cheveux sont tellement moches, tu devrais les couper aux épaules. Mais what? Mais non. Donc voilà, je vais probablement couper encore entre 10 et 20 cm l'été prochain, et on sera reparti pour un an. Au niveau de la texture et de l'épaisseur, j'ai l'impression que pas grand chose n'a changé. Je n'ai pas retrouvé mon épaisseur d'adolescente, hein. Clairement, quand j'étais ado, la coiffeuse me disait « Mais oh là là, il me faut une heure pour te sécher les cheveux, tellement ils sont épais », là, clairement, non. Mais j'ai pas l'impression d'avoir perdu de l'épaisseur ou d'en avoir gagné depuis un an. Et au niveau de la texture, je dompte de plus en plus les ondulations et les boucles, donc j'ai les cheveux de moins en moins mousseux, surtout quand je fais comme aujourd'hui, que je mets trop de produits coiffants et que du coup ils ne sont pas mousseux du tout, ils sont plutôt gras. C'est pas très grave, hein. C'est pas très grave du tout, il y a fort à parier que d'ici 2 jours, les produits coiffants auront été absorbés, donc voilà. Mais la texture, donc ils sont toujours ondulés à boucler avec certaines mèches lisses. J'ai les cheveux entre 2A et 3A, donc voilà, en fonction des mèches, c'est comme ça. Vous voyez par exemple ici, c'est beaucoup moins bouclé que d'autres mèches devant là qui le sont beaucoup plus. C'est comme ça, c'est pas grave, on a plusieurs textures sur la tête et vraiment je vous assure, c'est pas grave. Je ne suis plus à la recherche de la boucle parfaite et ça me soulage vraiment la charge mentale. Je prends mes cheveux comme ils viennent, il y a des fois où ils vont boucler extrêmement bien, et il y a des fois où ils ne vont pas vouloir boucler, et c'est comme ça, et c'est pas grave. Au niveau texture, voilà où on en est. Au niveau du cuir chevelu, j'ai toujours le cuir chevelu plus ou moins égal à lui-même. J'ai des petites démangeaisons toujours au niveau là du sommet du crâne en diagonale avec le menton. Depuis tout le temps, il n'y a rien, j'ai déjà montré à mon médecin, etc. Il n'y a rien. Ma coiffeuse pensait à l'époque qu'il y avait peut-être un épi, ce qui fait que ça tirerait un peu sur le cuir chevelu. Peut-être, je ne sais pas. Sinon, je n'ai pas de pellicule, je n'ai pas d'eczéma, de psoriasis, de dermite. J'ai juste le cuir chevelu plutôt sec. Alors, j'ai les cheveux qui regressent vite, mais j'ai le cuir chevelu plutôt sec, qui donc va avoir tendance à me démanger un petit peu si j'attends trop entre deux lavages ou s'il y a une période trop longue durant laquelle je ne fais pas de soins. Au niveau des lavages, vous savez donc que moi, je compte tout, je note tout dans mon bullet journal. J'ai donc compté combien j'avais fait de lavages durant l'année qui vient de s'écouler. Et j'en ai fait 62, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui correspond à un lavage tous les 5-6 jours. Alors, j'aimerais pouvoir ne me laver les cheveux qu'une fois par semaine, j'adorerais. Le fait est que ce n'est pas possible et ce n'est pas grave. Ne cherchez pas à tout prix à vous laver les cheveux une seule fois par semaine. Si c'est pour supporter les cheveux gras, le cuir chevelu qui démange ou qui tiraille la moitié du temps, vraiment, c'est pas la peine, ne vous infligez pas ça. On ne peut pas tous espacer nos lavages à une fois par semaine. Moi je vous dis, j'ai essayé longtemps pendant mon passage au naturel. Mes cheveux, c'est pas possible avec mon environnement, mon stress, ma nature de cheveux, etc. C'est pas grave. Bien sûr, je vous déconseille de vous laver les cheveux tous les jours. Tous les 2 jours, grand max. Tous les 3 jours, c'est mieux. Moi, c'est ce que je fais habituellement. Tous les 3-4 jours, là, j'ai poussé jusqu'à 5 jours, surtout par flemme. Faut pas se le cacher. Mais j'ai les cheveux qui regressent au bout de 3 jours. Si je voulais avoir les cheveux vraiment propres tout le temps, il faudrait que... Enfin, propre. Le sébum, c'est pas sale, hein. C'est juste le meilleur soin naturel pour les cheveux. C'est juste que c'est perçu comme sale par la société. Si je voulais avoir les cheveux sans sébum, plutôt, il faudrait que je me les lave tous les 3 jours. Mais quand c'est le week-end ou quoi, je pousse jusqu'à 4-5 jours et c'est très bien comme ça. Et moins on mouille ses cheveux, moins ils s'abîment. Au niveau des cures de compléments alimentaires, vous savez que d'habitude, je faisais de manière très assidue
une cure à l'arrivée du printemps et une cure à l'arrivée de l'automne. Le fait est que là, dans les 12 derniers mois qui viennent de se passer, c'était du grand n'importe quoi. Je pensais avoir fait une cure, au moins une, et en fait j'ai fait n'importe quoi, c'est-à-dire que j'ai juste fini ma boîte de gummies Madame la Présidente, qui sont très très bien, mais j'ai pas fait une cure, j'ai juste fini la boîte qui était entamée, et j'ai pris une boîte de Maxi Air Plus à l'automne, je crois. Il me semble que c'était à l'automne ou au début de l'hiver, je sais plus. Sachant que j'ai pas du tout fait la posologie recommandée, il me semble que c'était 2 gélules par jour recommandées. Moi j'ai pris une seule gélule par jour, donc et j'ai pris un seul pot, donc ça m'a duré 2 mois au lieu d'1, me semble-t-il. Voilà, donc c'est du grand n'importe quoi. Mais j'ai pas constaté particulièrement de chute, sauf en septembre-octobre, je me rappelle avoir constaté une chute un petit peu plus accrue. Et je pense que c'était d'une part au changement de saison et d'autre part à un fort taux de stress que j'ai eu ces 2 mois-là qui était vraiment très 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 difficile. Le tout combiné l'un à l'autre, bah voilà, ça a créé un peu de chute, mais j'ai pas eu plus de chute que ça. Là, on arrive sur le printemps et j'ai pas particulièrement prévu de faire une cure. Ce serait peut-être bien d'en faire une quand même, mais à voir. À voir vers quoi je me tourne, sachant que je n'ai pas fait de cure aussi. Pourquoi ? Parce que cette année, enfin ces 12 derniers mois, j'ai pas mal pris de compléments alimentaires à base de CBD de la marque Kaya. Je vous mets le lien en barre d'infos si j'y pense. J'ai aussi une vidéo sur le CBD, mon avis, ce que j'en pense, tout ça, si ça vous intéresse. Et du coup, je veux pas cumuler les compléments alimentaires. Je veux pas cumuler parce que c'est pas terrible pour l'organisme. Donc c'est vrai que j'ai privilégié le CBD pour mon bien-être physique et mental à ma pousse de cheveux, et il n'est pas impossible que ça ait aussi fait du bien à mes cheveux, puisque je prends pas des compléments alimentaires de CBD pur, mais il y a aussi des plantes adaptogènes dedans, et je pense que quand on a un terrain émotionnel plus stable, bah forcément l'organisme est plus apte à s'occuper des choses futiles telles que les cheveux. Au niveau des routines capillaires, j'ai toujours plus ou moins alterné bain d'huile, masque aux poudres, bain d'huile, masque aux poudres, comme j'aime beaucoup le faire. Même s'il y a eu des périodes où il y a eu pas mal de bains d'huile d'affilée par flemme, puis ensuite pas mal de masques aux poudres parce que j'avais envie de tester plein de trucs, et des périodes aussi où je n'ai pas fait de masque du tout, mais généralement c'était pas plus de 2-3 semaines, donc ça va. On est donc sur un rythme d'un lavage par semaine, donc plus ou moins d'un masque par semaine, donc beaucoup moins de masques qu'à l'époque où je me lavais les cheveux absolument tout le temps, 2 fois par semaine, en faisant un bain d'huile et un masque aux poudres. Voilà, moins de soins c'est bien aussi, hein. Slow is quoi d'ailleurs ? Is better, mais ce qui est bien aussi, c'est de pas trop mouiller ses cheveux, donc moins de lavage, c'est moins de confrontation à l'eau. Par contre, j'ai pas fait beaucoup de soins clarifiants et je n'ai pas fait beaucoup de soins protéinés. C'est peut-être un tort. Je vais essayer de re-rentrer dans une routine là où je vais bien alterner bain d'huile, masque aux poudres et éventuellement masque hydratant. Bain d'huile, masque aux poudres, masque hydratant, bain d'huile. Alors quand je dis masque hydratant, j'entends par là soit les masques que l'on fait maison, maïzena, sirop de sucre, crème d'avoine, etc. Soit les masques du commerce tout prêt que moi personnellement je laisse poser après le shampoing pendant 20 minutes, 30 minutes. Voilà. Cette année, j'ai beaucoup oublié de faire ma dernière eau de rinçage acide. J'ai toujours fait ma dernière eau froide parce que vraiment ça me fait du bien, et ça j'oublie pas puisque j'y pense, je suis sous la douche. C'est vrai que j'ai souvent oublié de préparer ma bouteille d'eau de rinçage, donc de l'eau froide avec du vinaigre de cidre. Je vais essayer pareil d'y repenser parce que ça apaise le cuir chevelu et ça referme les écailles des cheveux, ce qui est pas plus mal. Je n'ai fait quasiment aucun soin ciblé spécial pousse, puisque c'est vrai que mon objectif n'étant plus d'avoir de la pousse à tout prix, même si j'aimerais qu'il pousse vite, parce que plus il pousse vite, plus je pourrais couper les pointes, mais j'ai pas fait beaucoup de soins ciblés, j'ai pas fait de cure de moutarde, j'ai pas fait de cure de gingembre, j'ai pas fait de cure d'huile de ricin, même s'il est vrai que moi quand je fais un masque, j'en mets toujours sur le cuir chevelu, y compris quand je fais des bains d'huile, je mets toujours de l'huile sur mon cuir chevelu, soit une huile ciblée, soit l'huile que j'utilise pour mes longueurs, et ça marche très bien. Mon cuir chevelu a besoin de soins aussi, donc je le nourris et je l'hydrate, même si ce sont un peu des abus de langage, ces termes-là, pour les cheveux, pour le cuir chevelu, ça s'adapte, mais je n'ai pas fait de soins spécial pousse, ou de soins spéciaux pour la pousse, pas particulièrement. C'est vrai que c'est quelque chose que vous me réclamez beaucoup sur la chaîne et sur Insta, mais c'est plus quelque chose dans lequel je suis, puisque ayant atteint une certaine longueur de cheveux, maintenant je cherche plus l'entretien que l'accélération de la pousse. Ceci dit, si vous voulez accélérer votre pousse de cheveux, j'ai des contenus sur Insta et il y a toute une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Faire pousser ses cheveux plus vite » et vous avez énormément d'infos à l'intérieur.
J'ai énormément porté les cheveux attachés, comme toujours, puisque vu ma longueur, dès que je dois faire quelque chose, clairement, c'est beaucoup plus pratique de les avoir attachés, et ça les protège, et j'ai aussi beaucoup moins démêlé mes cheveux. Très souvent, je me lave les cheveux. Si je fais une routine curly, je la fais tête penchée dans la baignoire, je me retrouve avec ce résultat, et ça finit en chignon, je ne démêle pas du tout jusqu'au prochain lavage. Soit je fais une routine lisse, ce que j'appelle, et donc je me lave les cheveux tête en haut dans la douche et je finis généralement avec une tresse, et là c'est pareil, généralement je ne démêle pas entre deux lavages. Parfois oui, mais franchement c'est rare, et je pense que du coup ça limite quand même la casse, le fait de peu manipuler les cheveux de manière agressive. Si on a les bons outils pour se coiffer, c'est pas très agressif, mais voilà, c'est vrai que le fait de peut manipuler la brosse, tout ça, ça peut jouer en la faveur d'éviter la casse. On va maintenant passer, du coup, après ce petit bilan. Ah, je vous ai pas parlé de la couleur aussi, parce que souvent, je vous parlais de la couleur dans mes autres bilans. J'ai repris mes autres bilans pour savoir ce que je vous disais pour faire celui-ci. Et je vous parlais souvent de la couleur, parce qu'il y a eu toute une période où je cherchais absolument à éclaircir mes cheveux, à retrouver mon blond d'enfance, tout ça. Alors, on va pas revenir sur le débat de quelle couleur sont mes cheveux, parce que régulièrement, on me dit que j'ai les cheveux bruns. Non, alors là, excusez-moi, je n'ai pas les cheveux bruns. Les cheveux bruns, ce sont des cheveux quasiment noirs, et je suis très loin d'avoir les cheveux quasiment noirs. Entre ma couleur de cheveux et des cheveux noirs, il y a quand même pas mal de tons et de sous-tons, donc non. Mais j'ai les cheveux blond cendré, blond foncé, châtain clair, ce que vous voulez, peu importe. Et je n'ai pas du tout cherché à modifier ma couleur de cheveux cette année, du tout. J'ai pas fait de masque au miel, j'ai pas fait de spray à la camomille, je pense m'être exposée peut-être un tout petit peu au soleil pour faire sécher mes cheveux, mais c'est tout. J'ai pas fait de masque au jus de citron, à la vitamine C, comme j'avais pu le faire il y a un an ou deux ans, ou même trois ans peut-être. Voilà, non, j'ai rien fait de tout ça. Et voilà, la couleur de cheveux maintenant, je m'en fiche un petit peu. J'ai fait 2-3 fois des colorations végétales caddie blond. Alors, soit blond doré, soit blond clair, en fonction de ce que je trouve. Et c'est essentiellement pour m'apporter du soin que je le fais, même si je sais que ça m'apporte de très légers reflets dorés cuivré, un tout petit peu cuivré, ça me dérange pas, ça renforce les cheveux. Et par contre, malheureusement, il y a des petits invités qui sont là depuis 2 ans, ce sont les cheveux blancs. Alors là, j'ai les cheveux pas du tout colorés, donc j'en ai pas beaucoup, ça se voit pas, mais j'en ai quand même quelques-uns qui sont arrivés ici, là, surtout à cause du stress depuis 2020. Et avec l'âge aussi, puisque je vais avoir 35 ans, voilà, j'ai la chance à mon âge de ne pas avoir plus de cheveux blancs, même si j'aimerais n'en avoir pas du tout, mais ça, ce n'est pas possible. On passe maintenant au top et au flop, donc là je vais prendre mon carnet parce que je connais pas du tout par cœur. J'ai fait toute la liste des produits que j'ai adoré utiliser cette année, alors je vais pas tout vous lister tous ceux que j'ai aimés, je vous liste ceux que j'ai préférés et qui sont vraiment des coups de cœur. Après j'ai quelques flops, j'ai des accessoires favoris, et ensuite j'ai des comptes Instagram ou des chaînes YouTube cheveux que j'adore, que je vous recommande de suivre et qui m'ont encore suivi toute l'année, qui m'ont suivi dans le sens où moi plutôt je les ai suivis et m'ont accompagné toute l'année. Et ensuite on passera à quels sont mes objectifs pour cette prochaine année. Donc au niveau des favoris et des découvertes, les poudres sont toujours un éternel favori pour moi. J'adore les poudres lavantes, j'adore faire des masques aux poudres, c'est toujours un plaisir immense, et je vais continuer à les utiliser parce que les poudres indiennes c'est absolument incroyable, même les poudres de plantes c'est incroyable, mais les poudres indiennes c'est vraiment vraiment incroyable, moi j'adore. Ensuite, il y a la gelée coiffante de chez Druid. Je pense que c'est ma gelée coiffante préférée. Le Boost Curl sur moi ne marche pas très bien, ça. Le Boost Curl et moi, on n'est pas très très amis. Par contre, la gelée de chez Druid, ça marche super bien. Et je l'aime beaucoup. Elle est à base de gel d'aloe vera et de gel de lin. Et je vous la recommande, même si elle a un pouvoir fixant plutôt fort, il faut pas en avoir peur. Après on a l'effet carton, on enlève et tout va bien. Il y a la crème coiffante pour les boucles de chez Raoua,
que j'ai pu tester grâce à l'e-shop écocentrique qui me l'avait envoyée et je l'aime beaucoup. Elle est bien et elle est pas trop riche. J'avais peur, elle a une texture un peu épaisse quand on la sort du flacon, mais elle est très bien. Elle contient des couettes pour ceux qui veulent pas en utiliser. Au niveau de la marque Alepia, j'ai utilisé encore beaucoup trois produits. Je ne sais plus si je vous en avais parlé l'an dernier, mais j'aime vraiment cette marque. J'ai beaucoup utilisé le Nopu, donc je l'ai fini là. C'est le Nopu aux 7 huiles que j'avais et je l'ai beaucoup aimé. Alors c'est un savon saponifié à froid, donc on est sur un savon shampoing. Et personnellement, j'ai adoré. Sur moi, ça réussit super bien. Ça ne réussit pas sur tout le monde. Attention. Si vous avez le cuir chevelu... Non, c'est pas une idée de... Ça ne réussit pas sur tout le monde. Attention, sur certains cheveux, ça peut laisser un léger aspect cireux. Ce n'est pas mon cas. Mais vous pouvez avoir un petit aspect cireux. N'hésitez pas à faire une eau de rinçage acide à la fin. Moi, perso, j'adore. J'aime aussi énormément leur après-shampoing. Ils n'en ont qu'un. Et il est minimaliste au niveau de la compo. Il est très bien. Et j'aime aussi beaucoup leur huile ayurvédique pour les cheveux. J'en ai encore un peu dans mon flacon. Je pense que je vais la racheter parce qu'elle est vraiment très bien pour faire des bains d'huile. Elle est pas trop épaisse pour ceux qui ne veulent pas faire des bains d'huile très très lourds. Elle est vraiment très bien. Au niveau de la marque Druid, je vous ai parlé de la gelée dernièrement. Là, je vais vous parler du shampoing Melaleuc que j'ai aussi beaucoup aimé, qui est un shampoing traitant pour les cuirs chevelus à problème, les cuirs chevelus irrités, les cuirs chevelus sensibles, et c'est vraiment un très très bon shampoing. Je n'en connais aucun autre qui soit aussi bien sur le marché. C'est un shampoing à base de tea tree. N'hésitez pas à vous tourner vers lui si vous avez des soucis de cuir chevelu. Et leur gamme Pure & Pure aussi m'a accompagnée encore une fois cette année. Elle est vraiment très très bien. C'est une gamme hypoallergénique à base de gel d'aloe vera. Elle est top. J'ai utilisé le shampoing et l'après-shampoing. Le masque neutre de chez WAM m'a encore beaucoup accompagnée pour mettre dans mes masques aux poudres. Je trouve que c'est vraiment le meilleur masque sur le marché pour mettre dans les masques aux poudres. Je le préfère largement au masque Aromazone. Au niveau de sa texture, au niveau de son odeur et au niveau de sa composition, le masque Aromazone contient du sodium cétéryl sulfate qui est un actif qui peut être irritant à force d'utilisation. Je préfère utiliser le masque WAM même s'il est un petit peu plus cher et je le rachète sans arrêt. J'ai pu tester la nouveauté de chez Oden qui est leur bain d'huile capillaire et elle est vraiment très très bien. Je vous la recommande, les huiles Oden sont de très grande qualité. Ce sont des huiles qui sont 100% fabriquées et transformées en France et leur bain d'huile est vraiment très qualitatif. Plusieurs produits de chez Mademoiselle Bio que j'ai beaucoup aimé utiliser cette année. J'ai découvert leur nouveau shampoing rose comme je l'appelle, c'est la gamme Brillance je crois, au vinaigre de framboise qui est vraiment très doux et qui est très très bien. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, je m'attendais à ce que ce soit un shampoing hyper basique et en fait il est vraiment pas mal. J'ai aussi beaucoup utilisé le masque jaune qui est un masque que j'aime beaucoup, qui est vraiment très bien, je vous le recommande. J'ai aussi testé les deux nouveautés qui sont sorties il y a peu, la crème pour les boucles, c'est de celle-là dont j'ai abusé aujourd'hui, mais j'en ai mis vraiment beaucoup. Donc voilà. Et leur sérum pour les pointes, ça je trouve ça génial, le petit sérum pour les pointes à la kératine végétale, je vous le recommande à 1000%, il est vraiment très très bien, je suis très contente que Mademoiselle Bio ait élargi sa gamme capillaire. J'ai encore utilisé cette année le Scalp Treatment et le Amalaki Scalp Oil Serum de chez Blue Beautyfly que je prends chez So Natural Beauty, ce sont vraiment deux produits pour le cuir chevelu que j'adore, qui sont d'excellente qualité et que je ne cesse de vous recommander depuis plusieurs années, qui vont venir apaiser, soigner, traiter, stimuler le cuir chevelu. Je ne connais pas d'équivalent qui soit aussi bien et aussi qualitatif. Le shampoing première mousse de chez Noir Naturel, dont j'ai déjà dû vous parler l'année dernière, m'a encore accompagnée. C'est vraiment, je crois, mon shampoing favori. C'est un shampoing que j'adore, qui a pas mal de tensions actives, donc il lave bien les bains d'huile, tout ça, mais en même temps, il est pas agressif, il contient des poudres, des actifs, il est super. J'ai pu tester aussi la crème bouclée de chez Umai, qui c'est le seul produit solide dont je vais vous parler dans mes favoris, parce que je suis pas une super super fan des produits solides, sur moi, c'est pas la panacée, quoi. Et là, par contre, j'ai testé leur petit carré, qui est la crème pour les boucles, donc solide. Et j'ai beaucoup aimé, il suffit tout simplement de bien bien mouiller vos mains, de bien mouiller le petit galet, de bien frotter, ça fait une sorte de lait, vous répartissez sur les cheveux et c'est vraiment très agréable à utiliser et le rendu est très sympa.
Au niveau de la marque Cut by Fred, là c'est aussi un grand coup de cœur. J'ai adoré utiliser le shampoing détox, je crois qu'il s'appelle, non, si je crois que c'est le détox. Il est à la menthe et c'est excessivement agréable d'utiliser un shampoing à la menthe. Ça vient rafraîchir le cuir chevelu, c'est merveilleux. J'ai beaucoup utilisé aussi leur masque que j'aime énormément, qui est l'un des meilleurs masques capillaires sur le marché, que j'adore, je vous le conseille. Peu importe votre type de cheveux, vous pourrez l'utiliser avant le shampoing, après le shampoing, en mettre plus ou moins. Franchement, c'est un masque que j'adore. Et gros crush pour leur crème spéciale boucle, que je n'appellerai pas crème spéciale boucle, puisque pour moi, c'est une crème adaptée absolument à tout type de cheveux, une crème sans rinçage. Il suffit de doser la quantité. Je trouve qu'elle est beaucoup moins riche que le Curl Nectar, et elle est très agréable à utiliser. Elle ne contient pas de couette, je vous la recommande. Je vous dis, peu importe votre nature de cheveux, je pense que tout le monde peut l'utiliser. J'ai oublié de vous mentionner, chez Mademoiselle Bio, j'ai aussi beaucoup utilisé le petit leave-in classique qui existe depuis un paquet de temps maintenant. Je l'utilise surtout quand je fais des routines lisses, et là, pareil, je le recommande absolument à tout le monde, sauf aux cheveux très bouclés, frisés, crépus, qui ont besoin de beaucoup de produits, puisque c'est un petit flacon qui ne contient pas énormément de quantité. Mais pour les routines lisses, pour les cheveux fins, voilà, je trouve que c'est un très bon produit, il ne contient pas de couette et il est super accessible au niveau du prix. J'ai testé le masque clarifiant de chez Les Secrets de Loli, le Tropical Detox, et c'est un réel coup de cœur. J'ai envie de le tester depuis qu'il est sorti, j'ai beaucoup hésité, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il coûte assez cher pour une quantité qui n'est pas énorme, et vu ma longueur de cheveux, j'avais très peur que le pot me fasse un déjeuner de soleil. C'est le cas. Mais alors, il est incroyable. C'est un masque détox doux à base d'argile blanche, de banane, de gel de lin. Enfin, il est incroyable. Franchement, je l'ai utilisé et je l'ai adoré. Je ne peux que vous le recommander. Avant-dernier favori au niveau des produits, c'est le petit sérum protéiné de chez 100% Pur que j'ai acheté il y a quelques mois chez Sonatural Beauty. Et là aussi, c'est un vrai coup de cœur. Je m'attendais pas à ce que ce petit truc soit aussi bien. C'est vraiment un petit sérum très fluide. Faut pas en mettre beaucoup. Faut même en mettre très peu. Un petit sérum protéiné que l'on va venir appliquer surtout sur les pointes, qui va venir protéger les cheveux, renforcer la kératine des cheveux. Et c'est hyper bien. C'est hyper agréable à utiliser. Moi, je le mélange avec ma crème sans rinçage, j'aime beaucoup, même s'il coûte cher, il en faut tellement peu que je ne peux que vous recommander. Au niveau des favoris, il y a aussi tout ce qui est sérum huileux sans rinçage que j'aime énormément, que ce soit le Evolve, le Antonin B, le Cut by Fred. Dernièrement, j'ai découvert le Clémence et Vivien que j'aime énormément, qui sent le monoï, c'est une tuerie. Et vous savez que c'est un produit qui pour moi est indispensable à la routine pour maintenir ses pointes en bonne santé entre deux lavages. D'ailleurs, si vous cherchez des éventuels liens de parrainage, code promo ou autre, tout se trouve dans la barre de description. On va passer ensuite aux accessoires qui m'ont accompagné cette année et que j'adore. Et bien sûr, j'ai encore utilisé énormément ma serviette pour cheveux, les tendances des mains. J'allais dire que je l'ai là, mais non, je l'ai rangée tout à l'heure après ma routine. Je ne peux plus me passer des serviettes, les tendances des mains. Je crois que c'est le premier accessoire cheveux que j'ai acheté quand je suis passée au naturel. Et franchement, ça me suit partout. Je sais, c'est absolument merveilleux. J'ai aussi beaucoup utilisé ma Charlotte pour protéger les soins, donc réutilisable, lavable, de chez La Belle Boucle. Ça évite tout ce qui est Charlotte en plastique, etc. Ça fait longtemps que je n'en utilise plus. Cette Charlotte-là, elle est parfaite, elle a la bonne taille, elle ne me serre pas la tête, j'adore. J'ai aussi beaucoup utilisé ma Charlotte E-Bells, qui commence à rendre l'âme, enfin l'élastique commence à rendre l'âme, il faut que je le change, mais elle est toujours aussi efficace. C'est une Charlotte aux graines de lin que l'on fait chauffer au micro-ondes, que l'on applique sur sa tête, pas directement sur le soin, si c'est un soin humide, hein, parce que sinon ça salope la Charlotte, et c'est foutu parce que ça ne passe pas au lavage, ce sont des graines de lin. Si vous passez votre Charlotte au lavage, vous allez avoir du gel de lin, voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mentionner le gel de lin dans mes produits favoris, c'est un produit que j'ai encore beaucoup utilisé cette année, et vraiment le gel de lin, c'est merveilleux. J'ai énormément utilisé, encore une fois, les accessoires de chez Vénus et Gaïa, qui sont des accessoires en soie que j'adore. J'utilise surtout la tête d'oreiller et les chouchous, c'est vraiment incroyable pour prendre soin des cheveux. Je ne dors plus que sur ma tête d'oreiller en soie Vénus et Gaïa, et franchement, je l'adore. Et pour finir, au niveau des accessoires, j'ai beaucoup utilisé
mon peigne en corne, ma brosse en bois de chez De Novo, ma Denman brush pour me démêler les cheveux sous la douche et... ma wet brush pour me démêler les cheveux sous la douche et ma Denman brush pour répartir les produits coiffants et former les boucles. Et franchement, je ne peux que vous recommander ces accessoires-là qui sont géniaux. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur mes peignes et brosses favoris. Donc je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez plus de détails. On va maintenant passer au flop. Il y en a pas énormément parce que je suis pas hyper difficile et parce que j'aime pas trop... dire que c'est un flop, je laisse toujours une seconde chance au produit, je reteste, et comme je suis pas très difficile, finalement, ça me satisfait quand même, voilà. Mais il y a quand même quelques trucs. Il y a déjà mes cheveux blancs. Je les ai mis dans les flops, parce que même si ça devrait pas, ça me... voilà, je sais pas de terme. J'espère qu'ils vont pas arriver tous trop vite, mais ouais, j'en ai quelques-uns, puis les cheveux blancs, c'est plus dru, des fois je me coiffe, j'ai le cheveu blanc qui sort comme ça, enfin, c'est pas terrible, quoi. De manière générale, les produits solides, je suis pas super convaincue. Les shampoings solides, j'ai rien contre, même si de manière globale, pour être solide, ça contient beaucoup plus de tensioactifs que des shampoings liquides, et du coup c'est plus irritant pour le cuir chevelu. Et c'est pas terrible quoi, c'est pas terrible, j'ai pas d'affinité particulière avec les shampoings solides. Pareil pour les après-shampoings solides, je crois que cette année j'ai dû en tester 4. Et c'est pas un super gros coup de cœur parce que déjà quand on a les cheveux longs c'est un peu pénible et quand on a les cheveux texturés ça l'est encore plus. Souvent les shampoings, les après-shampoings solides c'est plus gras que qu'hydratant. Moi j'ai besoin de plus d'hydratation que de nutrition. Donc voilà, c'est pas un super coup de cœur même si l'après-shampoing, l'Amazuna... était pas mal. Autre flop, la technique du bol dont tout le monde parle, je vous ai fait des vidéos sur le sujet. J'ai testé 3 fois en faisant varier ma technique 3 fois pour essayer de différentes manières de faire et tout. À chaque fois, c'est pas terrible. Ça me rend les cheveux excessivement souples et doux, mais mes boucles ne veulent pas se former, ça ne tient pas du tout, ça s'alourdit. En 48 heures, c'est vraiment pas terrible du tout. Et pour finir, le dernier flop, c'est les huiles caddie. Non pas que les huiles caddie soient mauvaises, je les adore, ce sont de super huiles, mais mes flacons, moi, sont assez vieux et ils ne sont pas encore vides, donc j'en ai pas racheté. Et c'est là que je me suis rendu compte que ils ont changé le packaging. La quantité dans le flacon d'huile est beaucoup plus petite, mais le prix est le même. Donc voilà, je trouve ça vraiment très moyen d'avoir considérablement réduit la quantité d'huile en laissant plus ou moins le même prix. Je suis un peu déçue. Et je suis excessivement déçue aussi des shampoings caddie dont la composition a changé. Maintenant, il y a des ammoniums quaternaires à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas avant. Et je trouve ça vraiment dommage. Ça ne m'empêchera pas de continuer à utiliser les huiles caddie. Mais voilà, les 2 petites entourloupes là dernièrement, je trouve ça dommage. Pour finir cette catégorie favori flop, on va finir sur les comptes que j'ai adoré suivre cette année, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, ou les deux pour certains comptes. Je crois que ce sont exactement les mêmes que l'année dernière, à savoir la petite Gabi, Ni Naturel, Made in Ali, Leila Salomé et Shampoing Bio. Ce sont vraiment des comptes qualitatifs qui méritent d'être connus, pour certains qui sont très connus, pour d'autres un peu moins, qui sont de très bons conseils, qui ont des bonnes connaissances, contrairement à certains comptes. Moi, je suis quelques comptes qui ont percé très vite dans le domaine des cheveux, mais qui, au final, ont peu d'expérience et peu d'expertise. Alors, tant mieux pour ces comptes-là, mais il y a d'autres comptes plus petits qui ont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'expertise et beaucoup plus de matière intéressante à apporter. Et voilà, c'est eux que je voudrais mettre en avant. Alors bien sûr, quand je vous cite Gabi, Gabi c'est la papesse du cheveu qui est ultra connue. Mais les autres méritent aussi d'être connus. Nina aussi, c'est une papesse du cheveu, hein, c'est un gros compte. Voilà. Et on va finir du coup sur mes objectifs pour cette nouvelle année. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ces cheveux et vers où je vais. Vous êtes plusieurs à me poser régulièrement la question, est-ce que tu as toujours l'intention de faire un don de cheveux un jour? Oui. Mais pas maintenant, je ne me sens pas prête. Je sais c'est extrêmement égoïste, mais je ne me sens pas prête à couper. Et donc, pas tout de suite. Quand je le sentirai, je veux pas que ce soit une contrainte pour moi, je veux pas le regretter. Je sais que les femmes qui ont le cancer n'ont pas choisi d'avoir le cancer. Mais voilà, égoïstement, je me sens pas prête. Donc ça va venir, mais quand, je ne sais pas. Au niveau pouce, mon objectif est plus ou moins de maintenir ma pousse, même si je rêverais de savoir jusqu'où peuvent pousser mes cheveux. J'aimerais tellement savoir s'ils peuvent toucher le sol. Le fait est que mes pointes s'affinant quand même considérablement, je vais quand même couper un peu régulièrement. Donc ça continue de pousser, mais ça stagne un peu parce que je coupe
à peu près autant que je gagne là ces dernières années. Voilà. Au niveau de la masse et de la couleur, franchement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire et je vais continuer à faire mes soins habituels. Je vais continuer à faire mes masques aux poudres qui vont renforcer les cheveux, leur donner du volume, tout ça. Je ne pense pas qu'un jour je retrouverai ma masse d'adolescente. Je pense que c'est l'âge et les hormones, tout ça, qui font ça aussi. Mais je vais essayer du moins de maintenir tout ça en bonne forme. Au niveau des pointes, oui, elles sont affinées, comme je vous l'ai dit. Oui, ça déplaît à certains qui ne se gênent pas pour me le dire de manière pas franchement délicate certaines fois. C'est pas pour autant que je vais couper tout ce qui est affiné. Bon là, c'est un peu bouclé, donc on voit pas trop. Mais je pense quand même couper au moins 10 cm cet été pour leur faire du bien. Des fois, je me dis, ah, je vais te couper 30 cm, ça va leur faire trop de bien. Et je sais qu'en fait, je vais regretter. Et je sais que de toute façon, mes pointes vont s'affiner parce que c'est comme ça. Mes pointes s'affinent. Je n'y peux rien. Et c'est pas faute de soins, c'est pas parce que je les traite mal, pas parce que je fais pas ce qu'il faut, mes pointes s'affinent. C'est comme ça, on n'a pas tous une nature de cheveux à avoir des cheveux hyper fournis jusqu'aux pointes, c'est comme ça. Je vais essayer de faire tout de même un tout petit peu plus de soins hydratants et de soins protéinés. Alors je sais que la mode est à dire fuyez les soins hydratants, mais moi j'en fais tellement peu que je pense que je vais quand même essayer de réintégrer une routine plus ou moins équilibrée en termes de poudre, bain d'huile, clarifiant, hydratant, protéiné, voilà, un truc un peu plus régulier, mais c'est vrai que c'est pas le masque qui m'appelle le plus, mais c'est un quand même un masque que mes cheveux aiment beaucoup, donc je pense que je vais rétablir un certain équilibre. Et pour finir, je voulais vous faire part d'une petite réflexion. Je vais en faire des vidéos dédiées sur ma chaîne, mais voilà, je voulais vous en parler un petit peu ici. Concernant du coup la question de l'hydratation, de la nutrition des cheveux et la question du conditionnement des cheveux. Il y a toute une polémique en ce moment sur est-ce qu'au final le cheveu a besoin d'être hydraté, est-ce que les masques hydratants servent à quelque chose, est-ce que les cheveux ont besoin d'être nourris, oui, non. Est-ce qu'au final on n'aurait pas juste besoin d'ammonium quaternaire pour enrober la fibre capillaire d'une protection pour que le cheveu soit maintenu en bonne santé. Voilà, c'est des questionnements très intéressants sur le cheveu en lui-même, comment il réagit, comment il absorbe ou pas, puisque c'est une matière morte. Je vais pas vous détailler ici parce que j'ai des éléments de réponse, quelques-uns déjà, et je fais faire des vidéos dédiées pour vous parler de ça, mais ce sont des réflexions très intéressantes qui m'ont poussé à refaire des recherches sur les cheveux, chose que j'avais un tout petit peu arrêtée voilà, ces dernières années, parce que j'ai quand même accumulé pas mal de connaissances. Mais remettre les choses en question, c'est très intéressant. Et du coup, si on part de ce principe-là, que les cheveux n'ont pas besoin d'être nourris ni hydratés, ça remet en question absolument toute la manière de faire sur nos cheveux. Voilà. Mais je n'ai pas dit que c'était vrai. Attention, c'est une question ouverte. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce bilan des 8 ans. Encore une belle année de cheveux, encore de la passion. J'espère que ça va durer encore longtemps. Donc encore plus de contenu ici, encore plus de contenu sur Insta. On va parler cheveux, mais pas que. Et si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en likant, en commentant, en partageant à vos proches, etc. C'est comme ça que nous, créateurs, on sait que ça vous plaît. Et c'est comme ça, nous aussi, que nos comptes vivent. Parce que s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de vie, quoi. Puis c'est la base des réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire, vous, depuis combien de temps vous êtes au naturel ? Comment se portent vos cheveux? Peut-être moins grassouillés que les miens aujourd'hui, mais c'est pas grave. Franchement, j'ai hésité à filmer la vidéo en me disant ça le fait pas, mais en fait si, ça le fait, c'est la vraie vie. Des fois la routine elle est réussie, des fois elle est moins, et c'est pas grave, vraiment, je vous assure, c'est pas grave. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, prenez soin de vous, de vos cheveux, et je vous dis à bientôt.